que le PDN ne va pas participer aux prochaines manifestations. Et Teliano, Monsieur Teliano, le président de RDI, a claqué la porte. Qu'est-ce qui explique tous ces mécontentements? Écoutez, le PDN est libre de faire ses choix. Chacun a sa façon de mener le combat politique et d'adapter donc ses solutions à la nature du terrain politique actuel. Si le PDN estime que les manifestations sur les places et sur les voies publiques ne sont pas productive et qu'elle ne t'offre pas des perspectives de sortie de crise, c'est absolument son droit. Mais on a tous les autres partis de l'opposition républicaine, nous sommes une vingtaine de partis qui nous associons à cette stratégie de manifester parce que nous sommes une opposition républicaine et nous sommes aussi une opposition pacifique. Nous n'avons que les voix de la Constitution et des lois pour nous faire entendre, pour protester et pour mettre la pression sur le pouvoir pour qu'il respecte ses propres engagements. Donc en ce qui concerne les RDIC, première nouvelle, jusqu'à preuve du contraire, M. Teliano est membre de l'opposition républicaine. Nous attendons de voir si ce que vous dites là est confirmé par la personne concernée, en l'occurrence le premier responsable de RDI. Ok, la revendication portant sur la baisse du prix du carburant pour certains...